Recherche paranormale. La clé fonctionne pas. Fournie par les services officiels, bravo. Il va falloir que quelqu'un enfonce la porte. T'es à l'aise, toi? Tu proposes une effraction. Je sais pas si tu te souviens, mais on est en mission officielle. Tu seras pas le premier à faire ça, tu sais. Et voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je suis venu faire ici? Ah, voilà une maison qu'elle est pleine de promesses. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il y a des draps sur le mobilier et il y a même un cimetière au bout du jardin. Et des toiles d'araignée sur les lampadaires. Bon, il est temps de s'installer. Tu mets en route le groupe électrogène. Au fait, où est la cave? Montre-moi. Il y a une porte quelque part qui y mène. Attends... C'est... Là. Où veux-tu les téléphones? Oh, installer n'importe où. De toute façon, on aura la ligne que demain. Seulement demain? Tu veux rentrer chez toi, Vanda? Vous oubliez une chose? Whittaker a assisté à des phénomènes dans cette maison, et c'est ça qui l'a rendu fou. Mais Alex Whittaker devait être cinglé dès le départ, ma belle. Ce qu'on est supposé découvrir. J'ai besoin d'une assistante. Il m'a semblé avoir entendu un bruit, un grognement ou quelque chose en genre. Oh, oh. T'es bête, c'est une maison ancienne. Les murs jouent avec le temps. C'était pas les murs. Le bruit ressemblait plutôt à un battement assez bizarre. C'était franchement étrange. Arrête, tu veux, c'est pas de me faire peur. Hein? Attends au moins qu'on ait fini d'installer le matériel. Tu as raison. Où ça se branche, ce truc? Sur la caméra, ignorante. À vos ordres, grand chef. La première règle des investigations paranormales consiste à découvrir s'il y a des murs creux parce que c'est là que les trucs normaux se cachent. Si j'en crois ce que je l'ai ici, les murs sont truffés de petits passages qui mesurent environ un mètre de large. Ce qui expliquerait pourquoi les dimensions sont assez extravagantes, comme cette maison du reste. Elle a été bâtie par une excentrique vieille femme qui se croyait une grande mystique, écoutez ça. Un égyptien fascinant m'a dit qu'une aura mystique entourait ces collines depuis longtemps. J'ai donc construit cet hôtel pour qu'il serve d'abri aux voyageurs spirituels fatigués, désirant fuir ce monde imparfait, cruel et matérialiste. Je suis perdu, cher monsieur. Je vais à Scarab Hill. Vous êtes correct de route. Oh, ça, je le sais. Comment je fais pour trouver la bonne? Monsieur? Hé, hey, vous! Cherchez quoi, au juste? Elle cherche l'hôtel. Pour quoi faire? T'as fini, là? On peut le brancher? C'est ce que j'allais faire.
Yahoo! Ah, maintenant, ça y est, ils seront stoppés. Stoppés quoi? Des espèces de petites créatures sont entrées et ont tué nos porcs. Elles les ont dévorées. Et elles ont arraché la tête d'une de nos mules. Elles lui ont mangé le crâne. Des animaux mutilés dans cet endroit? Oh, il est possible que ce soit un culte. Savez-vous s'il y a des satanistes dans la région? On mange pas de ce pain de diablerie maudit! Où est-ce que vous voulez aller, déjà? Ah oui, Scarab Hill, à côté de Bodega Bay. Tournez sur la route principale et au croisement, vous tournerez à gauche et si votre chance vous abandonne, alors vous trouverez cette maudite baraque. Ma chance? Si vous avez un peu de cervelle, vous irez certainement pas à cet hôtel. Les gens disent que Satan a une suite royale pour lui et ses valets. La nuit, il y a du soufre qui sort des cheminées. Et je peux vous dire aussi que ça sent les entrailles rôties. Mais vous, vous devez jamais avoir senti les entrailles rôties. Les entrailles, c'est toujours ce qui brûle en dedans. Ça y est. J'espère que tout ce matériel va fonctionner. Voilà. Tu as pu couvrir tous les endroits qu'on voulait. En fait, on a plus de caméras que de moniteurs TV, alors on fera un roulement. Avec tout ce qu'on vient d'installer un peu partout, on devrait pouvoir attraper quelques petites choses rigolotes. J'avoue que j'aime bien cette agence, on n'a jamais eu de problème d'argent. Oui, sauf quand on le rend, demande. Tu oublies le principal, Lance. Parce que si l'État a créé un service de recherche paranormale, c'est pour que le peuple s'amuse un peu. Je veux bien sûr parler ici des plus curieux. Le gouvernement n'a pas traîné pour déclencher ses recherches. Et je pense qu'on n'est pas ici pour amuser la galerie. Ce qu'on appelle la réalité n'est en fait qu'une illusion. C'est ça qui est vraiment amusant. Vous n'êtes pas d'accord? Quoi? Oh, excusez-moi. Vous n'entendrez pas leur voix là-dessus, ma chère. Elles ne viendront seulement que si vous ouvrez votre esprit, votre cœur. Elles n'ont pas l'intention de nous effrayer. Vous croyez que vous allez capturer les secrets les plus profonds de l'univers sur ces écrans de télévision? La science témoigne des fautes, la vérité provient de l'émotion. Camille, vous n'avez pas envie de vous rendre utile? Navré, je pensais que je l'étais. Je pense que je vais aller faire du café. Vous venez m'aider? Oui, mais n'en faites surtout pas pour moi, je n'aime pas le café. Je sais. Je lis tous vos articles. Camomille. Oh, quelle délicatesse. On dirait Shirley MacLaine. Pourquoi elle est venue ici? Camille est une excentrique, mais elle ne simule rien. Je pense qu'elle perçoit souvent des phénomènes que nous ne voyons pas. Je me suis régalée.
Moi aussi. C'est bien meilleur qu'au restaurant universitaire. J'avais oublié que la cuisine maison était si bonne. Ah oui? La maison de qui? Je me suis sentie inspirée dans cette cuisine abandonnée, pleine d'instruments laissés là pour personne. Le dernier propriétaire n'a eu aucun héritier, alors l'État a tout accaparé. Oh, je peux vous dire qu'une grande frénésie imprègne ces lieux. La souillure d'une violence inouïe et profane qui a été perpétrée ici macule chaque parcelle de cette vieille bâtisse. La souillure, c'est pas un peu mélo, ça, même pour vous? Cette propriétaire, et quelqu'un sait-il comment elle est morte en réalité? C'était une mort horrible. Son cerveau a été extrait. À travers le nez, c'est évident. C'est le procédé égyptien de la momification. Quoi qu'il en soit, sa mort a attiré l'attention d'un de nos jeunes chercheurs. Et il a fait une enquête et a découvert la disparition de 5 télépathes qui travaillaient ici. C'est ce qui nous a fait remonter jusqu'à Alex Whittaker. Oui, et quoi qu'il se soit passé ici, Alex est le seul à avoir survécu. Ouais, dans un asile. À la suite de cette aventure, il a été la proie de terribles crises prémonitoires. Le malheureux est schizophrène, bien sûr, mais je trouve que son comportement est assez bizarre. Ah, la croix de la prophétie est une mission très lourde à porter. Mais que laisseriez-vous tomber si d'aventure un chèque encore plus lourd à porter croisait votre chemin, n'est-ce pas? Vous faites référence à ce que je publie dans le Inquiring Planet, j'imagine. Ouais, j'adore vos prédictions. D'après vous, les médecins de l'au-delà vont-ils réussir à greffer un sexe aux anges? Patrick, si parfois il est exact que j'ai compromis mes dons pour payer mes factures, Monsieur Bramwell, ne me jugez pas, il vous arrivera peut-être un jour la même chose. Maintenant, excusez-moi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Dans quoi? Pourquoi est-ce que tu t'es montré aussi agressif? Elle... Moi, j'en sais rien, c'est peut-être parce que... Et j'ai bu un peu trop de vin. Je suis désolé, je regrette. Oublions ça. Va te coucher, ça te fera du bien. Je supporte pas l'alcool. Ça doit être héréditaire, ça vient sûrement de notre père. Je te demande pardon, petite sœur. Tu as découvert quelque chose de nouveau? Un compte-rendu d'un suicide qui s'est passé voilà 50 ans. André Toulon. Ouais, attends, j'ai pris la photo d'une tombe au cimetière, c'est bien lui, qui c'était? D'après ce que je lis, un célèbre fabricant de marionnettes. Il aurait fui l'Allemagne pendant la guerre mondiale. Cet article dit que les nazis l'ont suivi jusque-là. Malheureusement, il s'est suicidé un peu avant qu'ils l'attrapent. Je me demande ce qu'il lui voulait. Il faisait probablement de la contrebande avec ses petites marionnettes. Je pense qu'il voulait un truc précis, mais lui, il s'est assuré qu'on ne le forcerait pas à le révéler. Voilà qui prouve qu'Alex n'était pas en train de divaguer. Ça confirme que Toulon est lié à cette maison. Oh mon Dieu, quelle horreur! Je viens de les voir! Ils se tenaient devant moi! Mais quoi, Camille? Ils étaient deux, pas plus grands que ça! Dans ma chambre, on aurait dit deux démons horribles. Il y en avait un qui tenait un poignard. Qu'est-ce qui se passe? Camille pense avoir aperçu quelque chose. Lance, va chercher la caméra. Non! Ne mentez pas. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Je suis quand même capable de faire la différence entre ce que j'ai vu et ces poupées ridicules, tout de bien même. Sûr, on le sait. Personne n'a dit le contraire, voyons. Pourtant, vous ne me croyez pas. Ce qui importe, c'est pas qu'on vous croit ou non. Nous avons seulement besoin de preuves et vous le savez bien. Vous aurez ces preuves bientôt, rassurez-vous. Je tremble déjà à cette idée. Pourquoi? Auriez-vous des informations que nous ignorons? Disons que c'est une intuition. Mais il est vrai que je crois en elle. J'ai malheureusement peur que nous soyons en danger. Je vous suggère vivement de quitter cette maison. Moi, je m'en vais ce soir. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. Et si vous étiez sage, vous partiriez aussi.
attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ah, je t'en prie, allez. Oh oui, parle-moi. Partie sans prendre aucune de ses affaires, j'imagine qu'elle était probablement plus à cran que je ne croyais. Bien sûr. Je vous en prie, donnez-moi de ses nouvelles quand vous en aurez. Au revoir. Il a dit que ça lui arrivait parfois de s'en aller sans prévenir. Qu'est-ce que je te disais? Et que de temps en temps, elle rejoint un ashram avec ses boules de cristal. Ah, j'avoue que je me sens un peu responsable de son départ. Absolument pas, c'est plus une fillette que je sache. Disons qu'elle est cuite ou folle, si tu préfères. Relax. Voilà quelque chose qui va te tenir éveillé. Super romantique. Commence à se faire tard. Il est presque une heure. Et comment est le spectacle? Oh, on risque pas de faire exploser l'audimat. Ouais, s'il y a vraiment un fantôme ici, il doit être trop timide. Nos caméras l'impressionnent sans doute. Ouais, assez. Vous croyez que tu devais te mettre au lit de bonne heure? Ce soir, j'arrive pas à dormir. À chaque fois que je compte un mouton après avoir sauté la barrière, il atterrit sur le dos d'un vieux bélier impudique. Alors, tu finis à quelle heure ton tour de veille? À 3 heures. Tu devrais pas regarder la télé dans le noir. C'est pas très bon. Ça fatigue tes nerfs optiques, tu sais. Tu devrais les reposer, chérie. Et entraîner un autre muscle. Alors, dis-moi, où est-ce que tu vas aller à 3 heures? Je vais tout droit dans mon lit. Oh! Mais c'est un lit double. Hein? On a le même lit, c'est curieux, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cette porte était fermée. Oh mon Dieu! On y va! Marionnette.
Oh mon Dieu. Caroline. Marionnette est complètement autonome. Des engrenages, des morceaux de bois. Il n'y a même pas de moteur. Tu parles d'un truc. Mais comment est-ce que ça peut marcher, ce machin-là? Chimiquement, j'imagine, à partir de ce fluide. Nous sommes une sorte de vie artificielle. Ouais. Voyons la réponse morphogène. Oh non, mais c'est impossible! Grâce à Patrick, nous venons de faire une découverte scientifique incroyable. Peut-être même la plus importante découverte de notre siècle. Correspond tout de même bien à une loi physique quelconque. Je m'appelle Eric Chani. Je vous en prie, excusez mon apparition brutale. Mais votre présence est tout aussi inattendue. Nous sommes envoyés par l'Office d'investigation américain sur les manifestations d'ordre paranormal, cher monsieur. Je suis Caroline Bramwell. Nous pensions que cet hôtel était depuis longtemps... Vous n'avez plus de pensionnaire. Vous vous trompiez, ma chère. J'habite ici depuis des dizaines d'années. Cet hôtel m'a été légué suite à la demande de sa malheureuse propriétaire. Aucun document ne l'atteste. Je n'ai nulle confiance dans les documents officiels. Nous, c'est le contraire. Il y a une foule de documents prouvant que l'État est bien le propriétaire. Alors, il faudra nous présenter des preuves. Où étiez-vous pendant toutes ces années, Monsieur Chani? À Bucarest. Je m'efforçais de régler ce petit problème. Et vous n'êtes pas revenu dans cet hôtel depuis tout ce temps-là? Il y a tout juste une heure que je suis arrivé. Vous savez ce que c'est? Non. Mon cœur ignore la joie et le ravissement des enfants. Permettez-moi de prolonger mon hospitalité le temps qu'il vous sera nécessaire pour terminer vos recherches. Cependant, je dois insister sur une condition importante. Vous devrez toujours respecter l'intimité de mes quartiers. Et maintenant, je dois me reposer. Je n'ai, hélas, plus la force d'une personne normale. Je vous reverrai donc tous demain matin. Nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance. Et voilà comment une idée d'universitaire nous colle dans la panade. Pas nécessairement. On verra dès demain comment il s'en sortira à propos de l'hôtel. Je suis curieuse de voir ses preuves. Les affaires semblent reprendre comme à la belle époque, on dirait. Espérons que ce client se montrera quand même plus normal. Mademoiselle Bramwell? Oui. Je suis Michael Kenny. Nous nous sommes parlé au téléphone. Oh, oui, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Je
J'espère que vous avez l'esprit ouvert, Monsieur Kenny. Vous êtes toujours aussi abstraite? Quand je vous raconterai les événements d'hier soir, vous direz que je suis folle. Dites quand même. Mon petit frère a été tué. C'est un meurtre. C'est sérieux? Tout à fait. Et ça, c'est l'assassin. Comment ça? Ce n'est qu'un jouet. Oui, c'est ce que vous croyez. Mais Camille a peut-être vu cette chose un peu avant qu'elle ne tue. Si seulement on l'avait cru, je crois... Non. Ne croyez pas que je me moque de vous. C'est assez délicat à croire, comprenez-le. Allez dire à mes assistants de vous passer l'enregistrement. Je suis absolument désolé. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non. Eh bien, dans ce cas, je crois que je vais faire tous les hôtels de la région et essayer de trouver ma mère aujourd'hui. Oh, je suis sûre qu'elle va bien. Oui, je l'espère. Et vous, ça va aller? Oui. Bon, je vous ferai savoir si je l'ai trouvé, d'accord? Très bien. Écoutez, pourquoi vous n'attendez pas jusqu'à demain? Je crois que vous avez voyagé toute la journée et on a plein de chambres de libre. Eh bien, oui, surtout qu'elle pourrait bien rentrer. Je reste. Je vais chercher mes bagages. Arrête de bouger, vieux schnock. Je t'ai déjà dit d'aller ailleurs pour faire ça, vieux cochon, t'entends? Thank you.
Tu penses que t'as le pouvoir du malin à tes côtés, hein? Mais la grosse, elle craint personne! Désormais, il n'y a plus de raison de garder notre présence secrète. Nous allons donc agir autrement. Nous laisserons une fenêtre éclairée pour que nos petits compagnons retrouvent leur chemin. J'espère que leur récolte a été bonne. Bientôt, vous retrouverez toutes vos forces. Et alors, nous serons comme avant, tous réunis. Ça a été cuit. C'est inutilisable. Tu dois apprendre à utiliser tes talents plus modérément. Où est la femme? Ah. Une perte de plus. Cependant, vous vous êtes montré sage d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il nous fallait ici. Nous avons éveillé beaucoup trop de suspicions. Mais ne refaites plus ceci. Chacun de vos échecs retarde d'autant plus notre victoire. Chaque heure qui passe vous affaiblit un peu plus. Toutes les parties mortes des corps que vous m'avez apportées. Grâce aux secrets éternels d'Osiris, arracheront une fois encore la vie aux griffes de la mort. Mais il nous reste peu de temps pour distiller le nouveau fluide. Alors, pensez-y, un autre demi-siècle pour les miraculeuses marionnettes sans fil du grand maître Toulon. Maintenant, retournez dans la malle. Après ces dizaines d'années, le scarabée t'a assigné cet endroit impie et nous sommes de nouveau réunis. Ma si ravissante épouse.
L'exposition du Caire de 1912 présente André Toulon, le plus grand maître marionnettiste d'Europe. Venez voir le miraculeux Méphistophélès sans fil dans Faust. Marguerite m'appelle. Non, c'est une idole magique, mais sans vie. Son regard inflexible glace le sang des hommes. Je vois ce corps béni que j'ai adoré, cette poitrine abandonnée que j'ai chérie. Fou que tu es, ce n'est qu'une illusion. Ton sang coupable inonde la terre. Les esprits vengeurs planent. Patiente, tend une embuscade à l'assassin maculé de sang. Faust, tu es condamné! La présence du célèbre maître marionnettiste Toulon m'honore, tout comme le Caire du reste. Acceptez mes condoléances pour le malheur qui vient de vous frapper. Votre grandeur, dit-on, serait prête à nous montrer quelque chose. Le plus extraordinaire secret que le sable nous ait révélé. Aucun autre n'a été plus convoité que celui-ci depuis la profanation de la tombe de Ramsès. Regarde. Les cauchemars. Son image est le reflet de mes goûts. Je ne vous offre que ses secrets. Je n'en ai pas besoin. L'enchantement artificiel de vos marionnettes appartient déjà au siècle passé. Déjà l'apparition de ces merveilles électriques souligne ô combien la perfection des vôtres. Alors, vous venez, je crois, de perdre votre plus célèbre attraction, hélas. Comprends-moi, je suis un artiste et non une espèce de sorcier. L'inattention des enfants devant votre spectacle nous indique qu'ils préféreraient celui-ci. Et avec une si charmante femme, il me semblerait tragique que vous soyez forcé d'embrasser la vide d'un misérable présentateur de foire. André, nous devrions sans doute considérer que... Oui, pensez aux enfants. Il a raison, pense à eux. Oui, pensez aux enfants. Oui, tu les rendras heureux. Vous êtes déjà debout? Oui, si je me lève après 6 heures, j'ai l'impression de gaspiller ma journée. Vous avez bien dormi? Très bien, merci. Et vous n'avez rien entendu de suspect? Non, j'ai peur que non. En tout cas, je vous remercie pour votre hospitalité. Michael... Dites-moi, quand vous aurez des nouvelles de votre mère, j'aimerais bien que... Oui, entendu. Si vous voulez partir avec moi, vous êtes la bienvenue. Je pense en outre que ça vous changerait les idées. Oh oui, ça me plairait, mais... Non, franchement, je ne peux pas. En tout bien réfléchi, je vais venir. Il faut que je vérifie un détail. Bonjour. Je suis heureux de constater que vous êtes matinal. C'est une vieille habitude. Mais excellente. Ma femme disait toujours que si elle s'élevait après 6 heures, elle avait l'impression de gaspiller sa journée. Ah oui? Cette journée, en tout cas, ne sera pas perdue grâce à vous.
dans cette matinée dorée, vous ressemblez plus que jamais à elle. À qui? Excusez-moi, je ne crois pas avoir eu le plaisir. Oh, je suis désolée, Monsieur Chani, voici Michael Kenny. Je vous prie d'excuser mon manque de courtoisie, R. Kenny, mais mes mains me font cruellement souffrir. Ces derniers temps, ma santé laisse à désirer. Vous feriez peut-être bien de ne plus fumer. Je suppose que cela indique une faiblesse de caractère. Mais j'ai l'intention de m'arrêter au moment opportun. Quant à vous, jeune homme, vous devriez être plus prudent sur votre moto, surtout avec ma si délicieuse invitée. Nous ne voudrions pas qu'elle soit blessée, ni que vous soyez malheureusement mutilé ou défiguré. Original, ce type. Il voulait dire quoi en parlant de vous en tant qu'invité? Oh, il prétend être le propriétaire de cet hôtel. Je comprends maintenant pourquoi le parking est vide. Et pourquoi ce bandage, il a été brûlé? N'a rien dit à ce sujet. J'ai l'impression que c'est encore pire que ça. Nazi crève. Jamais vu dans les films. Ouais, c'est moi, Indiana. Et ici, c'est le décor. Comment tu me trouves maintenant? Fais voir ta main, qu'est-ce que t'as eu? Quelqu'un te l'a coupé, c'est ça, c'est bête. Fais voir ce que t'as là-dedans. Alors, on voit quelque chose? Je suis le metteur en scène et tu fais ce que je dis. Bouge! Tu ne vas tout de même pas rester là? Monte si t'es un type qui a du cran, vas-y! Allez, fais quelque chose! Tu sais faire que ça, c'est dingue que t'es nul! Alors? Non, personne ne l'a vu dans le coin. Vous avez trouvé quelque chose? Si l'hôtel est à Chani, il est le seul à le savoir. Je n'ai trouvé aucun contrat qui le confirme. Un menteur? Peut-être. Une chose est certaine, c'est que son arrivée coïncide exactement avec la disparition de votre mère et avec la mort de mon frère. Et vous croyez que ce type est mêlé à ça? Je n'en ai aucune preuve. Disons que j'ai le sentiment qu'il n'y est pas étranger. Oui, je vois. Mais moi, j'ai une toute autre idée. J'ai un truc à vous montrer. À peine de la dernière fois. Mais ce n'est pas le genre de paysage qu'on voit dans un microscope. Vous faites quoi, Michael? Je suis écrivain. Des prédictions? Non.
Non, ma mère et moi, on est assez différents. J'écris du western. Des cow-boys? Parce que je connais exactement de l'ouest, remplirait environ une demi-page. Mais ben, il est vrai que j'ai toujours aimé les grands espaces. Moi-même, j'en connais pas grand-chose. On m'a appris à me battre, et puis j'ai commencé à travailler pour l'État parce que je voulais une structure. Je ferais peut-être bien de tout remettre en question. De reprendre un métier qui a un sens plutôt qu'analyser des faits qui ne sont que des cauchemars. J'ai entraîné mon frère Patrick. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Oh, vous vous êtes levé tout seul. Vous avez bien abri. Ah, mon pauvre Jester. Tu as besoin de fluide. Et nous en avons si peu. Patience, j'aurai très bientôt fini votre nouveau breuvage. Mais toi qui m'as sauvé d'un demi-siècle de cauchemars, tu sais que ce long sommeil infernal et son rêve n'était pas une dérobade. Mais vous m'avez ramené à Elsa. Je lui ai promis de l'arracher à la mort, de la mort apparente. Tu es mon Elsa. Je savais qu'il ne pourrait pas nous séparer pour toujours. Vous serez tous récompensés. Oui, vous redeviendrez à nouveau vous-même. Pendant un autre demi-siècle. Alors, nous serons tellement heureux, tous ensemble. On a tous voté, tu dois aller te reposer. Non, désolée, c'est gentil, mais j'ai du travail. Tu devrais te reposer, il est presque 11 heures. Je savais pas qu'il était si tard. Michael a trouvé une bouteille de brandy et je crois qu'il a horreur de boire tout seul. Allez, va le rejoindre. Je te remplace. Où est Lance? Dans sa chambre, il est en train de dormir, je vais le réveiller à 2 heures. Lève-toi et rejoins Michael. Oui. Ne le réveille pas. Reste là jusqu'à minuit et ensuite je te remplacerai, d'accord? Tu es sûre? Ouais. Dans ce cas... Salut. Salut. T'as trouvé ce que tu cherchais? Oh, oui, cette fantastique chaîne stéréo avec les nouveaux standards. Solomillo. Je ne veux être aimé que par vous. Que ne ferais-je pas pour cet homme? Une petite liqueur, mademoiselle? Oui, volontiers. Mmh.
buvons au secret des chiffres et au bonheur à venir. Vous dansez? Je crois que je ne sais pas très bien comment s'y prendre. Je manque un peu de pratique et je... C'est pas grave. On peut tenter le coup. Seulement, ce n'est peut-être pas le moment idéal. Bien sûr que si. C'est un bonheur fantastique pour une femme comme moi. Dans ce cas, me ferez-vous l'honneur de cette danse? La musique s'est arrêtée. Rassurez-vous, cet appareil n'a aucun secret pour moi. Souvenez-vous de ce morceau? Oui, c'est un vieux standard. C'était l'air préféré d'Elsa. Ma défunte épouse. Si je peux me permettre. C'est votre privilège. Curieuse entorse à l'étiquette due à l'impulsivité maladive et à l'impatience. Merci, Zorro. Oh, c'est vraiment dommage. Ces choses sont si difficiles à trouver de nos jours. Maintenant, veuillez m'excuser. Je veux aller voir comment il vit. Non, non. Enlève-toi cette idée de la tête. Je t'en prie, Carly. Pourtant, je crois très fort que ce monsieur est lié à ce qu'on explique toujours. On s'en fiche. Ce gars-là est peut-être dangereux. Si tu le suspectes de quoi que ce soit, il faut prévenir la police. Il nous faudrait une preuve. Oublie ça, c'est trop risqué. Si tu refuses de m'aider, je serai obligée d'aller voir ça. Arrête, je t'en prie, Caroline, bon Dieu, ne t'approche pas de sa piole, tu veux? Je me sens tellement seule. Laisse-toi aller, chérie. Je te jure que tu es loin d'être seule. Nous avons la quantité nécessaire. Nous n'avons que très peu de temps. Notre travail doit être achevé ce soir. Vous avez été si patient. Choisissant toujours le meilleur moment pour récolter le frais matériau humain.
Vous ne vous êtes jamais contenté de moissonner des animaux ou de la chair en décomposition. Ce qui aurait fait de vous des créatures amusantes. Personne, excepté la femme qui s'appelle elle-même Caroline, ne nous échappera. Quant au stupide jeune homme qui essaie vainement de séduire son cœur, toi, Dolce, tu nourriras son désir brûlant de la façon la plus appropriée qui soit. On est propre, ça y est. Ouais. Salut. Il faut pas prendre ça pour toi. C'est rien. J'ai l'habitude des mecs qui courent se laver après les câlins. Salut le déodorant. Où est-ce que tu vas? S'il y a un moment où j'aime bien sentir s'agiter quelqu'un à côté de moi, c'est uniquement au moment où je le saute. Et je dois aller voir où en est Caroline. J'ai quitté le poste à minuit, j'ai pas attendu qu'elle soit là. Quoi? Tu veux dire qu'il y avait personne en bas quand t'es partie? Mais c'est elle qui a dit que... Mais t'es con ou quoi? C'est moi qui vais descendre. Enfin, t'as oublié ce qui est arrivé à Patrick, c'est notre faute à tous les deux. On a trouvé les tueurs, alors? Non, on en a trouvé un seul. T'es inconsciente, Vanda. D'accord, je descends, je reconnais, c'est ma faute. Content? Thank you.
vous attendent depuis de longues années. C'est vous qu'ils attendaient, Elsa. Amour, ce qui vous a amené ici, c'est autre chose que la chance. Je vous en prie, Monsieur Chenny. Je n'ai nulle raison de continuer cette comédie. Mon vrai nom est... Toulon. André Toulon. Alors, vous devez vous rappeler que vous-même étiez Madame André Toulon. Frau Toulon. J'ai oublié la sensation du froid. Vous devez geler dans ce coquillage de chair. Je vais y remédier dans un moment. Vous rappelez-vous ceci? Nous l'avions acheté au Caire. Je me la suis fait envoyer par vos amis de Berlin. C'était bien sûr avant qu'ils ne nous dénoncent. Une toile de lin, utilisée pour envelopper une momie royale. Elle vous réchauffera pendant le peu de temps qu'il vous reste. Tout comme une jolie princesse fut gardée au chaud pendant des siècles. Imaginez ce que j'ai dû endurer. Pendant de longues années, j'ai croupi au fond d'une tombe immonde à cause de la promesse que je vous avais faite. Maintenant, Elsa, regarde. Comment me ramener après que les nazis aient tué mon Elsa. Elles avaient besoin de moi. Les malheureux s'affaiblissaient. Elles ont utilisé les dernières gouttes de leur fluide pour me rendre la vie.
Et c'est alors que je vous ai vu. Et j'ai compris que toute ma souffrance en valait la peine. Non! Non, je ne suis pas Elsa. Et même si une telle chose était possible, je ne suis pas elle, non. Elle est morte, et vous le savez, André. Même si une telle chose était possible, Elsa, j'en suis la preuve. J'ai eu le temps de bien vous observer, oui. Chacun de vous, infâme, intrus. Je comprends l'âme des choses et je peux leur offrir la vie. Oh, bien temporairement, hélas. Maintenant, il n'y aura plus de jeu de fantômes ni de pièges tendus aux autres êtres. Ce soir, nous entrons dans la vie. Nous prenons possession de nos nouveaux corps. À nous, Elsa. Tu vois que c'est très facile. Un petit moment de douleur et ensuite l'immortalité. Tout sera bientôt merveilleux. Sale petite peste, vous m'avez apporté le cerveau d'un animal. Je dois continuer malgré tout. Je dois quand même tenir ma promesse envers Elsa. Vos efforts ne resteront pas vains. Bien sûr, il est évident que vous finirez tous en poussière. Mais vous m'aurez quand même ramené ma femme. Ici, Michael! Je suis là! Dépêche-toi! Tu as encore peur? Il faut pourtant que tu boives douce, Frau Lein. Nous ne pouvons pas gaspiller notre fluide, mein Frau. Il ne reste qu'un seul gobelet, chérie. Repartez d'où vous venez. Rapporte ça tout de suite. Oh! 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 Ah!
faut que tu repasses à l'hôtel. C'est inutile. Ce que j'aimerais, tu vois, c'est pouvoir m'en aller très loin. Ils ont les bandes, la réponse n'est plus de mon sort en tout cas. Oui, mais moi j'aimerais bien la connaître, figure-toi. Où sont passées les marionnettes? Et ma pauvre mère, par quel moyen s'est-elle retrouvée dans le grenier? Et pourquoi lui a-t-on fait ça? Michael, Michael. Ta mère est dans son cercueil. Et si quelque part quelque chose lui ressemble et marche, c'est une autre, ce n'est plus elle. Je crois qu'on aurait dû tourner à ce croisement, oui. Du calme, ne secouez pas votre cage. Je pense qu'on y sera assez tôt. La maison où nous allons soigne les enfants fatigués et troublés dans leur tête. Excellente thérapie pour ces créatures fragiles. Vous verrez, ce sera très, très drôle. Si une personne remarque chez nous quelque chose d'étrange, ça n'est rien. Qui pourrait vouloir faire confiance à une bande de délinquants officiels? Vous y êtes. Reprenons donc notre route. Nous avons de jeunes enfants à enchanter.